Le ET1 Osório est un char conçu par les Brésiliens début des années 80. Développé sur les fonds propres d'Engesa, sans aucun soutien de l'État, l'Osório remporta en 1987 une compétition organisée en Arabie Saoudite où il sut se démarquer face à l'AMX 40 français, le Challenger 1 britannique et au M1 Abrams américain. Bien que son avenir fût prometteur, il restera au stade de prototype à la suite de l'annulation du contrat d'achat de l'Arabie Saoudite. Seulement deux exemplaires seront produits avant la faillite de la société conceptrice. En septembre 1989, les Saoudiens ont opté pour le M1 Abrams américain. Ils ont annoncé cette décision peu après le déclenchement de la guerre du Golfe en 1991. Les deux prototypes furent transférés dans l'armée de terre brésilienne avant que la firme Engesa fît faillite. Le EET1 était armé d'un canon d'un calibre de 105 mm, la longueur du tube était de 5,46 mètres. 16 obus de 105 mm étaient logés dans la partie gauche de la nuque de la tourelle, à portée du chargeur, la trentaine d'autres étant entreposés dans le châssis non loin du conducteur. Le EET2, quant à lui, possédait un canon lisse de 120 mm et une longueur de 6,24 mètres, doté d'un manchon anti-arcure et stabilisé sur les deux plans. L'évacuation des gaz brûlés générés lors des tirs est effectuée à l'aide d'un compresseur installé dans le plancher de la tourelle, à gauche de la culasse, devant les pieds du chargeur. 12 obus étaient rangés dans un compartiment situé à l'arrière gauche de la tourelle. Une porte blindée, coulissante, séparait les munitions des compartiments de combat. Les 24 autres obus étaient placés dans un râtelier à proximité du conducteur. À la base, le EET2 devait recevoir le canon à Amlis de 120 mm du Léopard 2 allemand. Mais en dépit du fait que le EET2 soit équipé d'une nouvelle tourelle, le recul de la pièce allemande de 120 mm atteignant les 600 kN était trop importante. Il en allait de même pour le canon britannique Royal Ordnance L11 qui générait une force de recul de 610 kN. Les ingénieurs d'Engesa se tournèrent alors vers le canon à Amlis de 120 mm du modèle F1 fabriqué par la JAT. Mais ici encore, le recul de 550 kN était encore jugé trop important. Heureusement, en parallèle, il y avait aussi été développé antérieurement le JAT AG1 du même calibre utilisé par la MX-40. La force développée lors du tir n'était que de 365 kN grâce à un allongement de la course de recul passant de 40 cm à 48,5 cm. Bien que le EET1 et le EET2 aient chacun une tourelle et un armement principal différent, ils partageaient un armement secondaire identique composé d'une mitrailleuse de 7,62 mm actionnée électriquement, montée à gauche de l'armement principal. Le char était considéré par certaines sources comme un exemple de la modernisation de l'industrie et de la défense du Brésil, tandis que d'autres ont noté que le char continuait d'utiliser des pièces importées. Le modèle de production de l'EET1 était moins cher que d'autres MBT occidentaux. Cependant, on a toujours cru que les chaînes d'approvisionnement de l'EET1, des pièces de rechange et des accessoires pourraient ne pas être fiables. En 1990, un politologue a noté que si ses performances techniques étaient apparemment comparables à celles des MBT contemporains, il était douteux que le projet de l'EET1 dans son ensemble commercialement viable.
Le char, malgré tout, aurait été examiné par l'Algérie, l'Irak, la Libye et l'Arabie Saoudite, mais les ordres de commande ne se sont jamais matérialisés. La perte de l'accord avec l'Arabie Saoudite a été particulièrement dévastatrice et a conduit le EET1 à rester au stade de prototype. Bientôt, la fin de la guerre froide a apporté beaucoup de MBT excédentaires dans le marché et a interrompu les programmes sans perspective. Après avoir été bloqué par le dépôt de bilan d'Al-Jazza en 1993, il a finalement été abandonné à la suite de l'effondrement de l'industrie brésilienne des véhicules blindés à la fin des années 1990. Alors que les blindés de la pré-série ont été mis au rebut, de nouveaux composants clés ont été retournés aux fabricants pour récupérer une partie des pertes financières. Les deux prototypes EET1 étaient stockés à l'arsenal de guerre de Sao Paulo, à Barueri, jusqu'à ce qu'ils soient officiellement ajoutés aux réserves de l'armée en mars 2003. Ils sont restés en service limité avec le régiment jusqu'en 2013, date à laquelle ils ont été retirés du service et exposés. Le prototype 205 mm vit maintenant dans le musée militaire Conde Lunares, tandis que le EET2 de 120 mm réside dans le centre d'instruction blindé de Rio de Janeiro.